kugukuri akama gwani amahoro ahari hose akama gwani amahoro ahari hose umugabo nyamugabo yama kugukuri akama gwani amahoro ahari Akama gwani amahoro ahari hose. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir selon où vous êtes. Le thème c'est la corde d'Arusha, les mensonges, les illusions. Je pourrais même ajouter les actes de mépris. Le génocide est le défi numéro un au Burundi, et autant en termes de victimes physiques que morales. Je pense que nous n'aurons jamais pire dans l'histoire du Burundi. Il faut donc placer la lutte contre le génocide au cœur de nos préoccupations. Et cette lutte doit être sans merci parce qu'il n'y aura jamais de compromis possible, uniquement parce qu'il est universellement établi que le moindre accès au pouvoir pour un génocidaire, c'est toujours un pas vers le génocide. Ça ne se discute pas. Une deuxième remarque préliminaire, c'est que je voudrais me conformer à l'ordre du jour. Je vais donc vous affirmer ceci. Arusha est le plus grand acte négationniste jamais connu, les accords d'Arusha. En plus d'être, et ceci je suis prêt à le prouver, à le démontrer devant n'importe quel forum, en plus d'être la pire, les accords d'Arusha sont la pire catastrophe qui soit arrivée au Burundi sur le plan historique depuis le discours de Jean-Paul Harwa, vice-gouverneur général du Rwanda au Burundi en 1958. Mais ceci est une autre histoire. Pour revenir au sujet à l'ordre du jour, permettez-moi de vous lire, et pour commencer cet exposé, l'appel du parti Ubu à ses militants, Urwandiko Kunshigwari Menet. Barundi barundi kazi bakozi u Burundi mwebwe bemeye gupfa no gukira baharanira abo bantu bato bato kuvuga ijambo mu ntwaro y'igihugu cyacu no mu makungu turabaramukije ibikorwa kubera ko twese twamaze kwitanga kw'incungu ya bene wacu twemeye kuyobora tukabakura mu buja bw'abatutsi kubera ubugamburutsi ubutwari no kwiheba mu kurwanya umwanzi ahari hose ariyo nshimikiro y'inganzi cya mbere pehasi rimwe fata icumu umuhoro umupanga umuheto n'ubuhiri murwanya umututsi aho mu muziga hose cya kabiri barwana shaka dufatane mu nda turwanya umututsi tutiziganya guhera ku ntwara miheto ku batwara bose ntidusige n'uwo kubara inkuru dushigwe tubashubije mu kuzimu cya gatatu nimufate abashyikiranganji ba guverineri ba komiseri ba administrateur abakonseye n'abagacimbiri b'abatutsi hamwe n'abakuru b'umugambwe mu bice n'abagore n'abana babo n'inda mu mene cya kane niduhiganwe turushanye ubutwari ubugamburutsi n'ubukerebutsi mu guhora bene wacu gushikaho atamugabo atamugore atamwana w'umututsi abakivugwa mu gihugu cyacu ntihagire umututsi n'umwe abajyana cyangwa mushyira mu mbohero mpaka mushyirwe mushyize mu kuzimu icyo ni cya gatanu murwanashaka kurikiza ibikurikira nabyo niho uzoba ushyigikiye n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose umuganga w'abakozi b'u Burundi n'intwaro y'abakozi b'abarimu muri ibyo kurikiza icya mbere rwanira umugore n'abana rwanira agatongo k'abasogokuru aho uri hose ubwo umuraba ko atamututsi n'umwe umugabo umugore cyangwa umwana gihembwe cya kabiri murwanashaka aho uri hose hitana abavandimwe bose ubigishe mu bane ubigishe
muhane ibigaba byose bitabafasha kurwanya umwanzi kurwanya umututsi mubibohe mubite mu mbuto tuzobicira urubanza gatatu aho mwatinye umwanzi hose umuriza ababyeyi abagore n'abana mushinga intwaro y'abantu bato bato irongowe namwebwe nyine bwa kane mufashe igisagara sigeho intwari nkeyi zo kurinda ibintu bya leta kurinda intwaro nshyashya no kwinjiza abantu mu mihari abandi komeza kuja imbere ushikaho muzohwana n'izindi nshingwari minitse zivuye ahantu gatanu nshingwari minitse aho uri hose kurikiza izi mpanuro umuganga w'abakozi uguhaye zishire ku muzirikanyi ejo Burundi tuzoba tubyiniramo amayaya twicaye kuwadushize ko umuhunda kuwatwangaje abadusohoye mu rwo twiyubakiye kuwatugomeza inka kuwatugomeza inka ziwe tukibona kuwo twamenyera akongera akatunywesha ibinyirwa byiwe kuwatugumije mu buja gushika n'ubu kuwadukoresheje ibimoko biri ku nnyo kuwatwiba w'imbura kimazi umututsi Mesdames et messieurs, pourquoi je vous lis ce texte? J'entends souvent autour de nous des gens qui disent que, qui se posent des questions sur la nature du génocide qui a eu en 1972. Si ceci, si cet appel n'est pas un appel au génocide, alors qu'est-ce qui serait encore le génocide? Ce qui s'est passé en 1972, le 29, ça ressemble exactement à ceci, de la mise en application de cet appel. Donc, le débat sur ceci devrait être vite clos, au moins au sein des militants qui luttent contre le génocide, parce que les négationnistes, ça ne sert à rien de les convaincre, c'est comme les racistes, ils ne changeront jamais. Mais au moins, je crois que si les propres concepteurs du génocide le disent en ces termes, il s'agit bien de l'extermination des Tutsis du Burundi et pour l'avènement de la République du Soleil Levant, comme le présentateur précédent vient de l'affirmer. C'est donc l'aveu d'un génocide de bout en bout. Il s'agit de l'extermination totale des Tutsis. Le débat sur la question devient donc pour moi sans objet, mais ce qui soulève ce débat, si vous en êtes hein? J'espère que non. Entre dans ce débat. Ce débat est inutile. Les aveux sont là. Si les gens veulent, ce sera. C'est un des signes que quelqu'un est négationniste lorsqu'il commence à dire ceci n'a pas eu lieu, ceci n'a pas eu lieu, ceci n'a pas eu lieu. Les preuves sont là. Maintenant, deuxième chose, ceux qui sont allés à Arusha, ils y ont été parce qu'il y a eu génocide au Burundi. Et Kigobe Kajagari, la formation de gouvernement, c'est d'abord et avant tout parce que l'offre de loi a commis le génocide. Sinon, vous ne pouvez pas expliquer comment un parti qui a gagné les élections au niveau présidentiel et au niveau des législatives et à tout autre niveau, vous ne pouvez pas le convaincre d'aller partager le pouvoir. Donc la question n'était pas de partager le pouvoir. Ils n'auraient même pas partagé, ils ont gardé un président de la République et une assemblée telle qu'elle était. Mais il s'agissait d'abord de mettre sur le pied, d'investir un nouveau chef d'État, compte tenu du fait qu'il était impossible d'aller aux élections. Maintenant, après, ceci pour après la mort d'Ndadaye et de Ntaryamira. Après Ibantonganya, lorsque Buyoya revient, la question de mettre sur le pied un président de la République ne se pose plus. Puisqu'il y en a un, et quelle que soit la manière dont il est là, il a les pleins pouvoirs pour gérer le Burundi. Le Frodebo était politiquement et moralement, juridiquement aussi vaincu avec le rapport de l'ONU sur le génocide commis par le Frodebo et l'appel à l'application des compétences internationales. Les gens sont allés à Arusha donc pour tourner le dos au droit des compétences internationales.
le gouvernement a renoncé à la victoire militaire pour favoriser les négociations. C'est un représentant du gouvernement au plus haut point, en l'occurrence un ministre des Affaires étrangères, et qu'il a dit formellement aux diplomates réunis à ce sujet. Monsieur Ayero, représentant de l'Union européenne, l'a dit en toutes lettres et sans détour, on ne peut pas parler de génocide, sinon les négociations s'arrêtent avant d'avoir commencé. De là vint l'instruction de ne plus dire raciste, terroriste et génocidaire. Mesdames et messieurs, si vous n'osez plus dire raciste, terroriste et génocidaire, vous vous soumettez à la dictature négationniste. Il fallait donc soustraire les militants contre le génocide et les génocides. Il fallait soustraire les génocidaires et leurs milices des rigueurs des accords de l'Osaka, parce qu'en même temps, on était en train d'être signé les accords de l'Osaka, condamnant ces milices et leurs auteurs à la destruction totale et aux rigueurs du droit international. Il est vraiment plus négationniste. Maintenant, de tout ce que je viens de vous dire, dans l'appel d'Ogo, il y en a qui vous disent que le conflit burundais est politique. Dans l'appel d'Ogo, dans ce qui s'est passé, dites-moi une seule chose qui relève vraiment de la politique. Je n'en vois aucun. Le conflit maintenant est-il Hutu et Tutsi? Les rapports entre les Hutu et les Tutsi au Burundi ne se conçoivent pas en dehors du racisme entendu dans le sens qu'il y a des Burundis supérieurs à d'autres. Ça peut se faire sur d'autres terrains, notamment le terrain clanique et régionaliste. Je ne vais pas y revenir, mais c'est vous dire que s'ils ont tenu à oublier ces aspects régionalistes et claniques, c'est qu'ils voulaient parler du génocide sans le dire, comme quelqu'un qui disait dans une certaine littérature française, en l'occurrence, les gens font de la prose sans le savoir. C'est une façon de reconnaître, merci la réalisation, vous avez devant vous l'appel du parti Ubu. Donc, le simple fait de limiter la question, le conflit burundais à ses aspects ethniques, c'est une façon d'avouer sans le dire que la question se posait en termes de tout, donc de racisme, mais les gens qui sont supérieurs à d'autres, je ne vais pas m'y étendre, ce n'est pas le sujet du jour, de la même manière que il y a eu génocide qu'on ne voulait pas nommer. Parce que lorsqu'il y a racisme, on parle de racisme, c'est un conflit de racisme, mais il ne devient pas. Lorsqu'il y a des politiciens racistes, le conflit ne devient pas politique pour autant. Le problème reste le racisme. L'apartheid, ce n'est pas un conflit entre noirs et blancs, c'est un conflit de racisme, de développement séparé. Le nazisme hitlérien, c'est le racisme et le génocide anti-juif. Le nazisme tropical, d'après Jean-Pierre Chrétien et Alice Deforge, je crois, c'est ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, mais 6 mois après ce qui s'était passé au Burundi, par les mêmes auteurs. Maintenant, qui sont les coupables? Le génocide de 1972 et les coupables, c'est Ubu. Il y en a qui vous disent ce sont les Hutus qui tuent les Tutsis. C'est important de. Pourquoi je le signale? C'est un aspect de négationnisme extrêmement important parce que dans l'appel que vous avez sous les yeux, dans l'appel du parti Ubu à l'extermination, pour l'extermination des Tutsis, l'appel n'est pas adressé aux Hutus, il est adressé aux Barwanashaka, c'est-à-dire aux militants, aux activistes de Ubu. Et d'ailleurs, pas une seule fois, on peut sous-entendre dans la lecture qu'il s'adresse probablement, je pense certainement même aux Hutus, mais pourquoi est-ce qu'ils prennent la peine de ne pas le dire? S'ils ont des raisons de ne pas le dire, pourquoi est-ce que vous dites des choses qu'ils n'ont pas dites à leur place? Ils s'adressent au Arwanashaka. Mais pourquoi est-ce que c'est grave? Et en quoi est-ce que ce comportement est négationniste? Lorsque vous dites Ubu tue les Batutsi, le fond de Ubu tue les Batutsi, le Paripé Hutu, et vous dites, et nous disons les Bantus tuent les Batutsi. C'est parce que j'imagine que face à un tel appel et à sa mise en application, tous les corps de répression se mettent légitimement en ordre de répression, car cet acte est considéré comme criminel et coupable. Maintenant,
si vous dites au commandant, au chef d'état-major, ou même au président de la République, que ce sont les Bahutus qui sont en train de tuer les Batutsi, vers quoi vont se diriger tout légitimement les organes de répression, corps de répression? Ils vont se diriger vers les Hutus. Si vous désignez les Hutus, ce sont les Hutus coupables. Ça bénéficie à qui? Ça bénéficie au parti au bout, à l'organisation au bout et à ses leaders. On va chercher les Hutus et on va oublier les militants au bout qui vont réapparaître plus tard sous, bon, d'abord, sous la présidence de Ndadaye au Rwanda et puis reviendra au Burundi. Ça se convertira en Obu, en Frodebu, Froride, Obu, non, Froride, Frodebu, ça évoluera en CNDD et ainsi de suite. Donc, on continue. Et l'objectif de tout cela, c'est quoi? Vous laissez les organisations racistes, terroristes et génocidaires qui continuent de tuer impunément puisque vous détournez les organes de vengeance publique vers de faux coupables. De la même manière que, parce que j'imagine franchement que ce n'est pas drôle d'avoir des vacances depuis la colonisation, sont accusés de tous les mots, et de leur dire que c'est la défense de la démocratie, que c'est le pape qui sont, etc. Et vous leur demandez, en l'absence d'un pouvoir responsable, et vous leur demandez de rester au bas choisir. Mais si vous dites que ce sont les barbares qui sont en train de les tuer, forcément, le premier qui a envie de se venger, je vous signale, même de plus, je vais peut-être chercher les milliers de personnes. La vengeance est une valeur positive au Burundi. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Mukasi. Excusez-moi. Alors, je pense que votre son, c'est pas, je ne sais pas si c'est moi ou vous, mais votre son ne sort pas très bien. On ne vous entend, je ne sais pas si vous avez changé quelque chose à votre micro. Je ne crois pas que vous m'entendez maintenant. Parlez encore une fois. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas comme avant. Mais bon, vous pouvez continuer. On va peut-être essayer de hausser un peu la voix. Je sais pas. Est-ce que maintenant, c'est... Là, c'est beaucoup mieux. Bien. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je voulais dire ceci. Hein. Outre que se tromper de bourreau, c'est un acte négationniste, mais à Arusha, les gens nous ont dit qu'ils étaient allés là-bas pour la réforme de l'armée, de la magistrature, qui seraient les autres. On les accuse de quoi? On les accuse de tout simplement tout. Ça veut dire que tout c'est un acte coupable. Et il y en a qui acceptent cela, notamment ceux qui sont à Arusha. Mais en réalité, quand on cite là, on met la magistrature, de quoi s'agit-il? Je viens de dire que devant un crime comme celui-là, il me semble légitime que tous les corps de répression soient mobilisés contre ceux qui lancent ce genre d'appel et qui le mettent en application. C'est tout à fait légitime. Mais il s'agissait de détruire les obstacles contre le génocide. Vous détruisez l'armée, vous détruisez la magistrature ou vous les mettez sous les ordres des organisations racistes, terroristes et génocidaires et vous pouvez continuer de tuer impunément. Est-ce qu'il y a plus négationniste? Je ne pense pas. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il y a un mensonge. Jamais les Burundais ne se mettront d'accord sur le racisme, qu'il y a des Burundais supérieurs à d'autres, que ce soit sur le plan Hutu-Tutsi ou à d'autres niveaux. Donc, il n'est pas possible d'avoir un accord entre Hutu-Tutsi dans les termes que nous connaissons au Burundi, dans la réalité qui est là. Maintenant, pourquoi nomme-t-on mal les choses? C'est uniquement pour éviter de dire le droit. C'est élémentaire. Je vais vous lire ce que François Boucher-Saulnier en dit dans le dictionnaire pratique du droit humanitaire. L'application du droit en général
et du droit humanitaire en particulier découle d'une qualification rigoureuse des faits et des situations. Il suffit donc d'une pirouette sémantique pour passer d'une situation de droit à une situation de non-droit. Toute guerre se traduit d'abord par une guerre de mots qui, en faisant disparaître toute contrainte juridique, laissera le champ libre à la destruction physique. Quand génocide soit qualifié de crime humanitaire, et l'ensemble des obligations juridiques qui pèsent sur les États s'évanouit. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que je parle à des gens comme ça. Mais c'est pour vous dire que les éléments de lutte contre le négationnisme sont disponibles pour tout le monde. Les divisions, maintenant, ça, ce sont les mensonges négationnistes, mais les plus gros, il y en a d'autres, je ne vais pas parler des représentants. Les accords ont été signés. Même pas par les partis politiques, c'est par des morceaux de verre de partis politiques, des gens plus réguliers que d'autres. Mais bien, il y a beaucoup d'autres choses sur la légitimité de signataires, la raison d'y être. Mais ces mensonges sont destinés à cacher la vérité, à couvrir la vérité et à empêcher de dire le droit. Je rappelle qu'au moment où on signe, on va à Arusha, les Nations Unies nous font une offre dans le tribunal pénal international pour sanctionner les crimes commis au Burundi en matière de génocide de 1993 commis par Fadebu, mais aussi d'étendre les compétences à 1972. Pourquoi est-ce que le Fadebu et l'organisation de même idéologie refusent? C'est parce que eux sont les tenants de la petite colère en 1993. Mais si le Frodebo a le droit, le gouvernement Frodebo a le droit d'avoir une petite colère, pourquoi est-ce que M. Chambéry, son gouvernement, n'en a pas une? Oui. Et donc, vous ne pouvez pas parler de 72 de la répression sans parler de cet appel de l'organisation Kubu. Maintenant, les divisions. Je ne vais pas m'y étendre beaucoup, mais les illusions sont nombreuses. Mais il y a d'abord la grande illusion que les gens de ce que vous appelez, de votre fils, que nous appelons le plus d'un côté, le plus de l'autre côté, vous êtes le plus qui vous défendront mieux que d'autres. Je pense qu'il n'y a pas pire illusion. Je crois qu'il faut laisser les gens être des humains. Si nous avons un gouvernement, si les Burundais, il y a des chances qu'on ne reste pas des humains. La preuve. En 1993, je vous dis 1993, comme ça vous savez, vous êtes quand même récent. Je pense que vous allez. Dans le gouvernement Frodebo, c'est un peu de ce qui a commencé par le premier ministre, le ministre de la Défense, nous avions le ministre, nous avions le ministre de la Communication, il parlait sur Radio Rwanda, le ministre sur Radio Nationale, il n'a pas lancé de message de paix. Il a dit sur Radio Rwanda, on a entendu. Bon, bref, c'est vous dire, nous avions des gouverneurs, là où on avait des gouverneurs, parce que les soucis n'ont pas été notés. Je voudrais vous dire de faire attention un peu à cette représentativité. Ce n'est pas le. On appelle ça les mensonges par petites. Par les mensonges par demi-vérité. Vous avez l'impression que ce qu'on vous dit est vrai, que le fait de. Non, les Tutsis, les Hutus qui sont dans l'environnement, ils obéiront aux ordres, ils suivront les consignes de leur pacte. Est-ce que c'est une trahison? Je pense. Mais si vous remarquez ce qui s'est fait après 1993, les élèves, les anciens élèves de Turquie, quand Bouya est revenu, on les a recrutés massivement à l'armée soi-disant pour défendre le pays. Mais dans le plan de Bouya, il avait déjà planifié de détruire l'armée. Comment pouvez-vous recruter des gens, les engager dans un corps que vous aviez déjà condamné à la destruction? Ce n'est même pas cynique, c'est vraiment méchant. Ou alors simplement. Vous avez vu pratiquement tout le monde, tout le Turquie courir derrière les élèves, les élèves qui ne pouvaient pas retourner dans leur histoire.
au lieu de les envoyer à l'école, on les recrutait pour des tâches ménagères. Boy, bonne. Ce n'est pas comme ça qu'on défend les filles. Bref, j'appelle ça illusion. On peut discuter sur ça. Il y a énormément d'exemples, mais c'est ce genre de choses qui, pour moi, montrent qu'il y a des illusions que j'appelle coupables. Du côté du CNDD, les gens vous disent, les militants du CNDD, les FDD démobilisés, ils sont mécontents parce qu'ils disent, ah, moi, vous nous aviez promis que nous allions exterminer les bâtisseurs, prendre leurs biens, etc., etc. Et il se trouve aujourd'hui que ce sont vos alliés, c'est une traite. C'est des illusions, on ment, c'est un mensonge, l'illusion. Mais c'est là le négationnisme, je ne pense pas que si vous dites la vérité aux gens, ils ne vous suivront jamais. Maintenant, il y a un aspect qui est dans tout ça. Le premier aspect, comment pouvez-vous demander aux victimes du fraudeur du CNDP de signer un accord autorisant leur bourreau à les gouverner ad vitam aeternam pour le faire? Inconcevable. C'est vraiment d'inepti pour moi que ça, je m'étais fâché. Pour moi que ça, je m'étais fâché contre Hitler et Mandela. Parce qu'ils me demandaient de signer le procédure, à demander à un homme militant un document. Je ne peux pas le signer. Parce que ça veut dire, si je signe quelque chose, je me mets la corde au cou. Ça veut dire, est-ce que je peux encore aller faire campagne dans un pays comme ça, en me disant, ils promettent, alors qu'on a dit aux promettent qu'ils n'avaient plus le droit de citer. Bref, maintenant, lorsque vous signez ce genre d'accord, vous êtes en train de dire aux Bahoutous qu'ils sont incapables de dire le droit de distinguer la démocratie de génocide. Il y a du grand mépris. Il y a des gens, je les appelle négationnistes, mais je. Ça, c'est alors par respect, parce que c'est vraiment minable. Quand vous dire que il y a des gens qui disent, oh, les Bahoutous ont été victimes de ceci, donc il faut les comprendre. Et qui par là sont en train de dire qu'ils ont de la compassion. S'il y a quelqu'un qui méprise les Tutsis, c'est quelqu'un qui dit ce genre de choses. Donc, c'est un mépris pour les Tutsis, c'est un mépris pour les Hutus. Eh bien, je vous ai terminé en vous disant le grand mensonge, c'est que Arusha n'a rien condamné. Vous ne pouvez pas mettre fin à une crise sans en condamner l'origine, sans en condamner l'élément coupable. L'Afrique du Sud a condamné l'apartheid, le Rwanda a condamné le nazisme tropical, le Nuremberg a condamné le nazisme. Je vais vous lire un extrait du livre de Colette Brackman. Le tribunal de Nuremberg, c'est, je donne la page comme ça, les gens ne vont pas dire que c'est 435. Le tribunal de Nuremberg, je terminerai par là, le tribunal de Nuremberg ne s'est pas contenté de juger les nazis, il a également mis hors la loi l'idéologie dont il se réclamait. Et aussi longtemps qu'il n'aura pas été dit explicitement en Afrique centrale que les minorités ont le droit d'être protégées et que tous les citoyens méritent un accès égal au pouvoir et au savoir, les métastases du génocide se répandront non seulement dans la région, mais dans tout le continent africain. Les manipulations de l'ethnicité ne pourront être déjouées que si chacun s'emploie à déconsidérer cette idéologie qui tue. La communauté internationale, les autorités politiques, mais aussi les autorités morales, les églises, les organisations de défense des droits de l'homme, la société civile. Si l'Afrique demeure le continent de l'impunité, de l'irresponsabilité, le seul où l'on puisse tuer, mentir, corrompre, sans encourir de sanctions, quel avenir peut-on lui prédire? En Europe, le tribunal international consacré au crime de l'ex-Yougoslavie a désigné comme coupable le Mladenovic et autres Karadzic, mais il a aussi condamné le système de purification ethnique qu'ils avaient tenté de mettre en place
Il faut qu'il soit procédé aux mêmes condamnations en Afrique, car la vérité du Rwanda sera celle du Burundi, du Zaïre et demain du Cameroun, du Kenya et de tant d'autres pays où est forte la tentation de jouer sur la fille ethnique pour conquérir ou garder le pouvoir. Mesdames et messieurs, je me limite là-bas. C'est ma contribution pour le débat d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez fait vôtre et que vous allez même l'étendre au-delà. J'ai essayé de mettre en exergue uniquement quelques aspects. Il y en a beaucoup d'autres, mais je me suis limité à cela. Umugabo nyamugabo yamavuga kuri akamagwanira mahoro ahari hose akamagwanira mahoro ahari hose Umugabo nyamugabo yamavuga kuri akamagwanira mahoro ahari hose akamagwanira mahoro.